Bilis Baye, un immigrant africain originaire de Côte d'Ivoire, travaille comme Senior Strategic Business Analyst dans la compagnie d'assurance Geico. Est-ce que votre expertise peut être exportable en Afrique? L'expertise que j'ai eu à accumuler jusqu'à là, ça peut être transférable en Afrique, particulièrement dans le domaine de l'assurance auto, assurance maison et appartement et assurance de tout ce qui est ferroviaire, bateau et tout ce qui est là. Donc c'est dans ce département-là que je suis. Les différents projets sur lesquels on travaille, comme un exemple simple, pouvoir avoir une cote, c'est-à-dire une police d'assurance avec les prix et tout, en moins de ma compagnie s'attelle à avoir pour que chaque client ait cela en moins de 10 minutes. Ouais. 5-10 minutes. Donc, tu prends ton ordinateur, là, tu n'as pas forcément à appeler quelqu'un ni avoir quoi que ce soit. La digitalisation. Voilà. Donc, super digitalisé, on travaille. C'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'accent. Genre, je pense qu'en Afrique, c'est un peu l'un des problèmes. On a peut-être, selon le pays, vous devez aller à l'agence, discuter. Et puis, selon ça, on vous donne des prix et tout. Alors qu'ici, voilà, c'est rapide. Si aujourd'hui on vous appelle, alors Monsieur Baye, on aimerait votre expertise en assurance pour aider à transformer le système des assurances auto en Côte d'Ivoire. Quelles sont les conditions que la personne qui vous appelle doit remplir afin que vous preniez vos bagages et entrez en Côte d'Ivoire, par exemple? Faut dire que déjà, les conditions générales sont liées, c'est clairement lié à l'éducation, parce que pour ceux qui ont des enfants, ils vont préférer largement le système éducatif américain au système éducatif africain. Il y a aussi, il ne faudrait pas qu'on se voile la face, il y a le système de rémunération, les salaires qui sont un peu bas. Pour vous, c'est quoi un salaire respectable pour vivre, pour retourner en Côte d'Ivoire? Vous direz combien? Bon, je ne vais pas m'avancer sur des chiffres là maintenant parce que après, ça dépend du corps de métier. Après, là, il y a la santé. Ouais. Il y a la santé qui est très importante aussi parce que vous êtes dans le domaine de la santé, vous savez comment c'est avancé, comment les soins se déroulent de manière rapide sans forcément avoir à vous demander quoi que ce soit avant de vous prendre en charge. Donc, il y a déjà ça. C'est déjà les trois grands points que je vois là.